Bonjour, c'est lundi midi. Je voulais vous faire un petit bonjour de début de semaine. On continue du coup les vlogs parce que bah écoute, ça plaît à quelques personnes donc c'est le plus important. Ça nous fait du bien et moi ça me motive. Donc on reste là-dessus au moins pour cette semaine. Mes cheveux sont extrêmement sales, je m'en excuse, mais comme je vais à l'équitation, je me suis dit que j'allais clairement pas les laver ce matin. C'est ridicule avec la bombe et tout ça. Tout va bien ce matin, c'est ma semaine de reprise du niveau de taf, donc je me suis fait un emploi du temps carré. Je suis contente de reprendre ma semaine de travail, vraiment, je suis trop contente même. Ça me fait plaisir, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que j'ai envie de mettre en place. Je suis ultra motivée, j'ai trop bien fait de prendre du temps pour moi et du coup, vraiment je vous le conseille si vous avez des petits moments plage push, même si ça dure depuis plus longtemps. Moi ça faisait longtemps que je le... Bah, si vous avez regardé tous les vlogs je vous ai déjà raconté, mais pour faire bref, je pense que c'est depuis au moins 6 mois que j'étais vraiment plage push, en mode je plus rien me donne envie, voilà, enfin vraiment je sentais que j'avais perdu quelque chose en moi et là je sens que je suis en train de le retrouver petit à petit. J'ai envie de me rebattre, que j'ai envie de bosser, que j'ai envie d'y arriver, donc c'est chouette. Là je vais partir à l'équitation, je suis très contente. J'ai un peu la flemme parce qu'il fait un peu grisou, il fait un peu froid, mais je sais qu'une fois que je serai là-bas je vais être contente, donc... Enfin non, ça va, je suis partagée, je suis entre les deux. J'ai un petit côté de moi qui est flemmarde parce que c'est lundi et que j'ai envie d'être plage push, et il y a un autre côté de moi qui est en mode je suis trop contente d'aller monter. Mais c'est le meilleur plan de faire une activité le lundi, parce que le lundi je suis tout le temps plage plouche et en fait ça m'oblige à sortir et je sais que quand je suis là-bas je suis trop contente, donc pour le coup j'arrive à motiver et peut-être vous emmener, mais tu connais toujours hein, c'est toujours la même chose, c'est que c'est compliqué de vous filmer avec les gens et tout autour, donc je vous emmène mais pas sûr que vous voyez le petit poney. Je vais essayer, on verra. Bon, il est 19h, j'ai la dalle. Ça a vraiment été le truc des 10 derniers jours quoi, c'est un truc de dingue, j'ai toujours pas mes règles, j'en peux plus, je n'en peux plus. Je suis allée à l'équitation, c'était super, par contre j'avais oublié que il y avait les vacances, donc du coup pendant les deux prochains lundis bah j'ai pas cours, je suis dégoûtée. Donc elle m'a dit ouais il y a des stages et tout, donc du coup pour me retrouver au milieu des maternelles sur les Shetland, ça va vite me saouler. C'était super aujourd'hui, j'ai eu un cheval, pas du tout le même cheval que l'enfant, on a ressauté, mais c'était trop bien, ça m'a fait trop plaisir, je me fais des copines et tout et tout. Et maintenant sur le dîner, parce que je vais manger et me coucher je pense aux heures des poules, je suis claquée. Ce soir en tout cas on est sur des haricots du marché, on va se faire un ou deux œufs et il me reste du riz, je vais me faire du riz parce que je sens que mon corps... En fait c'est vachement bien parce que j'apprends vachement à m'écouter. Je sens que mon corps me réclame de manger un peu plus costaud, donc on va le faire. Hein. Petit corps, t'inquiète pas, je t'écoute. Bonjour les amis, c'est mardi après-midi. La journée a été hyper compliquée. Je me suis levée à l'heure, j'ai travaillé tout comme mon emploi du temps me le disait, mais putain j'étais vraiment en mode... C'est... On doit vraiment faire ça ou... Ça m'a saoulée. Mais je suis quand même allée à la salle, j'ai fait mes 45 minutes de sport, j'ai réussi à travailler. Ne mettons pas de chrono, ça ne sert à rien. Et là, je vais à Paris rejoindre une copine. C'est pas plus mal parce que quand c'est des journées comme ça, je pars du principe que quand les journées sont plage plouche où t'arrives pas à te mettre au travail, en fait, faut pas s'y mettre. Mais bon, le problème, c'est que je reviens quand même de 3 semaines de off, donc je me dis, à un moment, peut-être se pousser le cul un petit peu quand même. Bon, je sens que clairement, on est sur la fin des vlogs, hein, on va pas se mentir. Là, ça devient beaucoup moins intéressant pour vous, parce que franchement, j'ai pas envie de vous faire chier à vous raconter des trucs pour vous raconter des trucs. Et là, voilà, je me rends compte que je peux pas filmer, en fait, que ce soit la danse, le cheval, la salle de sport. Bah, la salle de sport, t'as vraiment rien à filmer, et le cheval et la danse, je vais pas filmer, c'est pas intéressant, enfin... Donc voilà, donc là, mon quotidien, au final, à vivre, il est intéressant, mais à regarder ou à filmer, c'est un peu compliqué. On y go, c'est parti. Bonjour les amis, c'est mercredi, écoutez, tout va bien, je ne vais pas vous cacher que j'étais un peu claquée ce matin, vraiment de sortir, je suis pas rentrée tard, hein. À minuit pile, j'étais chez moi, à minuit 30 j'étais couchée, mais j'étais claquée. Je suis en mode Moon Dance tout aujourd'hui parce que je prépare Moon Dance spécial Halloween de lundi, je viens de me taper un trip toute seule, qui est que je suis chez Action, et tu vois le truc là, je sais pas si vous voyez le truc en bas, là, et en fait c'est un radiateur soufflant, et quand j'ai regardé j'ai vu un masque, genre tu sais de Squid Game là, mais c'est en train de nous rendre malade, et j'étais là mais c'est un masque d'escrime ou quoi, n'importe quoi, bref. On allait
Action, j'ai pas compris le DEL parce qu'en fait il y a que des décorations de Noël et il y a vraiment en tête de gondole un tout petit peu de trucs pour Halloween, donc j'ai juste trouvé ça. Je vais construire en fait mon déguisement, ce sera beaucoup plus simple et je pense que là je vais aller à la recyclerie, je vais aller récupérer des draps, des conneries, à tout moment il y a un truc qui coûte pas cher et qui peut rentrer dans mon déguisement, mais sinon ça le fera. J'ai l'idée en tête, on est bien. Voilà, donc tout va bien, ce soir j'ai mon petit cours de danse et voilà. La vie se passe bien. Je vous dis pas le cours de sport là, le cours de danse les amis. Oh, ça m'a défoncé. Tu sais, on faisait des trucs comme ça là. Tu sais, où tu devais rester comme ça. Genre hyper longtemps. Bon, c'est flou, mais vous avez l'idée. J'arrivais pas, j'étais là, mais j'ai plus de cuisses. Genre mes cuisses, vraiment juste à monter l'escalier, j'avais mal. Donc c'était très compliqué. Je me sens crade, je me sens dégueulasse parce que je le suis. Je viens juste de sortir, j'ai des boutons, je me sens pas en forme là. Tu vois, là. Je suis plage-pouche parce que les règles ont débarqué. Je pense que je vais aller prendre un bain. Je pense que je vais me faire un repas confort. Rien à foutre. Je suis dégueulasse. J'ai jamais honte de montrer comme je suis. Mais là, je me trouve vraiment pas belle. Là, ça va pas du tout. J'ai honte. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Je vais aller vraiment me faire du bien là. Pas dans le sens sexuel du terme. Je vais juste aller me poser devant une série. Rien à foutre. On verra demain. Demain, je fais une raclette. Donc, ce sera encore pire. On verra plus tard. Là, j'ai besoin de 24 heures de... Allez. Je suis en pleine préparation de la Moon Dance. Je vous en montre pas trop, mais n'ayant pas trouvé trop de déguisements, j'ai dû moi-même les faire. On va tourner. Il est 11h là. Ça va, je suis en bombe atomique ce matin. Là, je ne sais pas comment ça se fait. C'est bon, ce soir en plus, je vais faire la petite raquette avec mes potes. Donc, tout va bien. Il y a quelque chose qui va pas par contre là-dedans. On est bien, le soleil brille, les oiseaux chantent. Et faut que je vous laisse parce que j'ai besoin de l'appareil photo qui est en train de filmer, pour filmer la Moon Dance. Mon dieu, il est 14h, cette journée elle est dure. J'ai décidé de pas aller au sport aujourd'hui et je vais peut-être même pas y aller demain. Parce que je sens mon corps qui est vraiment fatigué. C'est normal aussi quand les hormones travaillent, donc je pense qu'il faut laisser son corps un peu calme. Bon, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Écoutez, clairement, la semaine était quand même très compliquée, notamment à cause des règles, on va pas se mentir. Et parce que je suis sortie pratiquement tous les soirs, donc en fait, genre hier, la raclette, bon, en termes de... Voilà. Sincèrement, je vais pas vous mettre tous les défis, parce que ben là, il y en a plus. Enfin, plus dans le sens que là, maintenant, c'est vraiment le quotidien. Et de réussir à me maintenir dans le temps, réussir à continuer à aller à la salle de sport, à continuer à être motivée, à continuer, etc. Donc, j'ai pas de... Voilà, j'ai pas de... Enfin, j'ai pas de trucs à vous faire. C'est la preuve qu'on est vraiment sur la fin. J'ai des beaux ongles, et ça, c'est cool, par contre. Mais voilà, je sais pas si ce vlog a été très intéressant et que je m'en excuse. Vous m'aviez vraiment demandé de continuer d'en faire, alors j'en fais, mais là pour le coup c'est sûr que c'est le dernier parce que je vois bien que, comme je viens de vous le dire, en fait maintenant c'est mon quotidien et je vais pas vous filmer mon quotidien à chaque fois parce que je le fais déjà en story, donc ça ne sert strictement à rien. En tout cas, merci de m'avoir accompagnée dans ces 4 semaines de remise en forme parce que ça m'a fait beaucoup de bien de vous avoir, sincèrement. En fait, d'en discuter tout ça, ça motive trop. Cette semaine a été un petit peu moins bonne, on va pas se mentir, mais je ne lâche rien, le sport et tout ça toujours au taquet. Je viens d'aller faire ma séance, je viens de faire 45 minutes de course et tout ça, donc je suis au taquet. C'était juste sur la bouffe, c'est un petit peu moins bon, mais c'est pas très grave, c'est aussi le but, hein. Le but c'est de manger normalement aussi, hein. Donc voilà, ce soir il y a une copine qui arrive, je vais bosser, je le montage justement de cette vidéo là. Je vous embrasse, je vous remercie et vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos YouTube, je sais pas quand, quoi, de comment, mais voilà. On va bien trouver des petites idées pour bien rigoler. Merci à tous.